mics on the beat. Basketball block party, basketball block party, man. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be. Voilà, après il y a un très bon état d'esprit dans le groupe, on se motive tous les uns envers les autres. Et voilà, après je pense que comme vous avez pu voir, il y a que des gagnants, des compétiteurs dans cette équipe, ce qui fait que quand on arrive sur le terrain, qu'on soit 7 ou 12, bah, c'est la même chose pour nous en fait. C'est vrai qu'on est dans une dynamique où ben, les gens ne veulent pas perdre, on les fait sortir, ils font la tête. Il y a même eu un moment donné où on a demandé un temps mort et les mecs se sont mis tout seuls sur le terrain. Ils ont dit, mais vous allez où les gars? Ils ont envie de jouer quoi, donc bon, ça reste anecdotique, mais voilà, il faut penser à Pau, il faut penser à Limoges, il faut penser à Tenerife, penser aux playoffs, on a 4 blessés, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir encore. Donc voilà, vu que c'est pour la plupart, à part Sergueï, c'est des récidives, c'est compliqué, donc il faut qu'on soit sûr de retrouver tout ce beau monde le plus tôt possible et dans les meilleures conditions quoi. On n'est pas coach Mitrovic qui veut. Moi, je suis sur les traces d'un grand bonhomme. Je peaufine mon apprentissage. On apprend tous les jours, quel que soit l'âge. Et ne serait-ce qu'au niveau des joueurs, comme au niveau du coach, j'apprends tous les jours. Maintenant, je suis à 4 sur 4. Je vais prendre des vacances, là, puis c'est bon. Mais en blague à part, je vais reprendre avec plaisir aussi mon rôle d'assistant. Et surtout que l'équipe se remette au complet et qu'on retrouve notre équilibre fondamental.